Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle ouverture d'une petite box que j'adore, la New Box. Donc je suis en vacances et quoi de mieux pour commencer ces vacances que de recevoir ce petit paquet dans ma boîte aux lettres avec donc le petit, je sais pas si vous voyez, New comme ça dessus. Donc c'est super, je suis super contente. Donc et ben voilà, donc pour celles qui se demandaient un petit peu comment ça se présentait, donc vous recevez donc un petit carton comme ça dans votre boîte aux lettres. Et donc on va ouvrir ensemble. Et donc vous avez la New Box à l'intérieur du carton. Alors, toujours la petite carte. Donc, avec des jolies couleurs dans des bleus et un petit peu doré, c'est super joli. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Je crois que c'est une citation de Walt Disney que j'adore. Voilà, super joli encore. Et donc, le mois d'octobre est donc la new box de ce mois-là est basée donc sur le temps pour soi. Donc, prendre soin de soi. Voilà, il va commencer à faire pas trop joli, pas trop beau. Donc, prendre du temps pour soi, pour faire des soins, voilà. Donc c'est vraiment une box normalement basée sur la détente et sur le fait de prendre soin de soi tranquillement, cocooning, enfin voilà. Enfin moi j'ai vraiment interprété comme ça. Donc on va ouvrir ensemble. Donc moi il y avait vraiment dans la sélection de ces produits du mois d'octobre, il y avait vraiment un produit que je voulais tester, donc j'espère qu'il sera dedans. C'était les shampoings solides de chez l'Amazona parce que ils ont une telle réputation que je voulais vraiment en tester un, donc j'espère que j'en aurai un dans ma boîte. Alors, comme d'habitude, vous ouvrez, vous avez le New Mag avec l'abonné du mois, un dossier beauté donc sur un corps parfait, une escale à New York, un vanity, votre vanity idéal donc vite un sérum. Et donc, Mademoiselle Morgane, a priori, qui fait la couverture, donc qui devrait, je pense, être l'abonnée du mois. Enfin, moi, j'interprète comme ça. Je pense que c'est elle. Pas du tout, en fait. En fait, pas du tout. Bon, c'est pas grave, hein? Donc, le New Mag, donc toujours aussi complet. Je vais me le laisser de côté pour vous parler des prix des produits que j'ai dans ma box. Alors, une petite pub. En octobre, savourez les plantes infusées de Chic des Plantes. Voilà, donc une petite pub, un petit fly pour parler à chaque fois. Il y a toujours un petit partenariat, un petit. Voilà, une petite pub à chaque fois pour donc pour faire donc une découverte à chaque fois. Et donc là, c'est Chic des Plantes. Donc ce sont des infusions sans des infusions 100% bio. Donc made in France, donc ça c'est top. Et donc vous avez 10% offert sur toute la boutique grâce à un petit code qui est inscrit donc sur le fly. Ah bah super, en plus, j'avais pas vu, vous avez un petit peu. Alors ces belles plantes. Donc une infusion, donc je sais pas, ouais, mais on voit bien que c'est à base de fleurs parce qu'il y a vraiment des petits pétales. Je sais pas si vous voyez, mais des petits pétales un petit peu dans les roses et tout ça, non, vous voyez pas. Donc bah, je testerai ça, oh, trop bien. Moi qui bois beaucoup de thé d'infusion, donc ça me va super bien. Cool. Alors ensuite, dans mon petit pochon en craft, alors où est-ce que j'ai mis mon New Mag? Il est là, hop. Alors, premier article. Alors, c'est une huile pour les cheveux. Voilà, hop, de chez Cosmetics. Donc, à l'huile d'argan et d'avocat. Donc, ça, c'est top pour les cheveux. Ça les nourrit extrêmement bien. L'avocat, en plus, a un effet anti-vieillissement. Donc, je le connaissais très bien pour la peau. Et pour les cheveux, c'est vraiment très bien aussi. Et l'huile d'argan, je dirais, il n'y a même plus besoin de la présenter. C'est vraiment une huile qui est top, top, top. Et pour les cheveux et pour la peau. Donc, ça, c'est top. Ouais, ça sent super bon. Voilà, donc là c'est vraiment pour
pour les cheveux, hein, il précise. Bon, a priori, si c'est juste ces mélanges d'huile, vous pouvez très bien l'utiliser pour la peau aussi. Je vais regarder quand même. Alors, Cosmetics. Cosmetics. Donc, les 30 ml sont à 12 euros. Là, vous avez 6. Non, je ne sais pas en fait. Donc, c'est pas précisé. Ah, c'est 10 ml. Donc, 10 ml, donc 3 fois moins. Donc, 12 divisé par 3, 4 euros. Ensuite, ah, il y a un sachet là qui me. Je me demande ce que c'est. Un petit sachet, on dirait un truc de thé ou. Ah non, c'est un gommage, trop bien! Donc c'est Maison Meunier donc, de Paris qui me propose donc, un gommage éclat, corps et visage. Oh, trop bien. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Par contre, il n'y a pas la. Il n'y a pas le la quantité. Alors. C'est où? J'ai posé le petit sac. Où est-ce que c'est? Donc c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, Maison Meunier, gommage visage éclat. D'accord, c'est au café en fait. Donc ah bah ça le café, ouais, c'est un super exfoliant. Votre mare de café, vous le gardez, hein, vous filtrez votre café normalement le matin. Voilà. Et vous gardez votre mare à café et c'est un super gommant en fait pour le corps. Moi je l'utilise plus pour le corps. Et franchement c'est un super gommant. Donc, vegan et cruelty free, gommage corps et visage au café, donc de la Maison Meunier. Donc, débarrasse la peau des cellules mortes et active la microcirculation pour révéler une peau douce, éclatante et saine. Donc, une odeur de café frais, revigorante et stimulante fera donc de votre gommage un instant de détente. Oh, super. Ça, je vais tester direct. Donc, ils disent de l'utiliser une à trois fois par semaine. Moi, je pense qu'une fois par semaine, c'est suffisant, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Je suis pas pour trop exfolier en fait. Parce qu'en fait, ça a tendance à agresser votre. Enfin, personnellement, je trouve. Hein. Je pense que ça a tendance à agresser un peu votre épiderme en fait. Et faut pas trop. Voilà, faut pas trop. Moi, une fois par semaine, je pense que c'est légèrement, largement suffisant. Donc, ça contient des huiles essentielles. Et c'est pas précisé. Donc voilà, donc ça c'est top. Donc le gommage normalement fait 220 grammes à 22,90 €. Donc là je peux pas vous dire quelle quantité j'ai, mais je pense que j'ai quand même moyen de faire parce qu'honnêtement le sac est vraiment rempli jusqu'au-dessus quoi. Donc là je pense que j'en ai pour quelques gommages quoi. Donc ça c'est super, je suis trop contente. Pour l'instant ils sont encore topissimes. Alors ensuite, je vous montre. Alors, de la marque Beleza, Made in Seven, donc encore un produit français. Pour l'instant, c'est. Non, cosmétique, c'est pas français. Alors, je pourrais plus vous dire de quelle origine c'est. Peut-être anglais, je crois, mais je suis pas sûre. Donc, Beleza, Made in Seven, donc a priori. Alors, dit Preciosa. Huile précieuse, essentielle, huile sèche aux multiples vertus, tout type de peau. Alors, recherche de bien-être et produits cosmétiques authentiques recentrés sur l'essentiel. Donc, une gamme essentielle qui vous offre un rituel fondamental et sensoriel d'hydratation intense. Alors, composé d'huile précieuse Sevenol. Donc, oil preciosa nourrit, hydrate, assouplit, protège de l'oxydation, laisse la peau douce et subtilement parfumée. Donc, à utiliser sur le visage, le corps, les cheveux, tout au long de la journée et de l'année. Donc ça, c'est top. Je vais essayer de la sentir. Oh, un super packaging en plus. Je trouve trop trop beau. Un petit flacon de pompe en verre comme ça. Ah ouais, ça sent super bon en fait. Ah ouais. Oh, je suis trop contente. Donc voilà, on voit bien donc l'aspect huileux. Donc une huile sèche. Alors, j'en ai mis un peu beaucoup en fait. Ça sent super bon. Ça sent super bon, mais c'est pas trop fort non plus. Parce que des fois, le parfum est un peu trop prononcé. Mais là, honnêtement, ouais, super. Oh. Ah ouais, le parfum est super agréable, quoi.
Ouais, trop bien. Je suis trop contente. Non, mais New Box, de toute façon, voilà, ça fait la cinquième box que je reçois. Je crois qu'il n'y a pas un seul produit que j'ai pas aimé, quoi. Franchement, même ceux où j'étais peut-être sceptique par rapport au format et tout ça, mais à chaque fois, je suis trop, trop bien. Trop, trop contente. Alors, donc, nous avons Beleza. Je vais vous dire ça. Ah ben, c'est juste à côté. Nickel. Donc, les 100 millilitres à 33 euros. Et là, j'ai... Papa, ah, c'est pas écrit. Mais j'ai quand même une belle quantité parce que là, j'ai mis 3 pchits. Il y a 30 millilitres. Voilà, 30 millilitres. Donc, à environ 11 euros, quoi. À peu près un tiers. Mais franchement... Puis là, j'ai vraiment mis 3 pchits. J'en ai beaucoup trop, quoi. Je sens que... Et voilà, j'en ai quand même... Oh, vraiment, je suis contente. Alors, 1, 2, 3. Donc, il me reste encore 2 produits. Alors, nous avons... Docteur Otchka. Docteur Otchka, donc ça doit être un mascara. Mascara volume. Donc celui-là, je ne vais pas le déballer parce que j'en ai encore plusieurs à finir. Donc, un mascara volume de chez Docteur Otchka. Nous avons... 3,5 millilitres. Ça, je vais me le laisser de côté. Donc 3 millilitres, il est à 21,90 € les 10 millilitres. Donc voilà, donc ça fait à peu près 7 euros le mascara. Et il me reste, doit me rester un produit. Ah, je suis dégoûtée, j'ai pas eu de shampoing. Tant pis. Et nous avons un exfoliant encore. Donc ils m'ont mis deux exfoliants. Bon, l'autre j'utiliserai plus pour le corps de toute façon. Alors, de chez Madara. Become organic, start now. Exfoliating oil to milk scrub. Ah ça je vais aimer. C'est un oil to milk scrub. C'est-à-dire que à la base c'est un peu huileux. Et quand vous allez rincer, ça va se transformer en lait. Enfin voilà. Donc ça me plaît déjà. Alors. Ouais, c'est celui-là, Madara. Donc, normalement, les 60 millilitres sont à 23,50 €. Et là, j'ai un 12,5 millilitres. Alors. Donc, c'est un exfoliant visage. Donc, est enrichi en huile d'abricot, anti-âge et huile de tournesol régénérante et en huile de sésame nourrissante. Donc, encore un soin hyper complet. Exfoliant à la texture huile. Donc, se transforme en lait onctueux au contact de l'eau. Donc, c'est bien ce que je disais. Alors, voilà, il se présente comme ceci. Un petit scrub de chez Madara. Donc, éco-cert, de toute façon, à tous les produits. En plus, il y a un petit opercule. Donc, ça, je vais le laisser de côté. Parce qu'il me reste encore un petit peu, plus beaucoup, mais de celui de chez De Novo. De Novo, je vous en avais parlé. Il est topissime. C'est un exfoliant enzymatique, il est vraiment très bien. Donc ça, je vais me le laisser de côté. Je vais déjà finir mon De Novo pour le visage. Et je vais utiliser donc celui de chez Maison Meunier pour le corps. Et je vous en reparlerai ben aussi vite. Et ben voilà, c'est tout pour ma box. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très vite. J'ai plein de vidéos là qui sont en cours de préparation. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les gens.